Bonjour à vous quatre et merci d'avoir accepté cette invitation de l'EPSF pour donc parler de ce bilan des 15-20 dernières années. Allez, tout de suite, on lance la vidéo 2006-2023, quel chemin parcouru. Mathieu Chabanel, j'ai envie de vous poser la question toute simple. Qu'est-ce que vous, vous retenez de ce chemin parcouru? On l'a vu, évidemment, un chemin semé à la fois d'innovations technologiques, d'évolutions réglementaires, malheureusement d'éléments plus graves aussi, des accidents. Qu'est-ce que vous retenez, vous? Peut-être trois choses. Bonjour à toutes et à tous d'abord. D'abord sur l'évolution de la sécurité, sur l'infrastructure.
Je pense que ces 17 années, elles ont vraiment été marquées par deux temps. La prise de conscience des difficultés de l'infrastructure, elle est à peu près concomitante de la création de l'EPSF et donc du démarrage de cette période. Mais c'est vrai que jusqu'à la période 2014-2015, et on l'avait vu dans le rapport de l'EPSF sur la sécurité du réseau de 2015, on est quand même resté dans une spirale négative par rapport à la sécurité sur le réseau. Et puis on a eu un deuxième temps, je pense, quand même depuis cette période-là, où les efforts de renouvellement progressif du réseau, où les actions menées sur le terrain ont permis de remonter la pente. La deuxième chose que je retiens sur cette période, c'est le rôle de l'EPSF pour le gestionnaire d'infrastructure. Mais je voudrais vraiment dire, enfin, moi je l'ai vécu au quotidien, j'allais dire pendant plusieurs années. Et ça nous a vraiment fait progresser. Je pense que c'est un changement important qui, dans le contexte d'un ferroviaire de plus en plus ouvert, a permis à l'ensemble des acteurs, et d'abord à SNCF Réseau, de progresser. Puis la troisième évolution, moi, qui me paraît sensible sur cette période 2006-2023, c'est la prise de conscience que la sécurité ferroviaire, c'est pas que de la technique. Il faut qu'on change aussi notre rapport culturel à la sécurité. Ça passe par exemple l'attention à la sécurité du personnel qui est dans le ferroviaire historiquement beaucoup moins forte que la sécurité, que l'attention portée à la sécurité des circulations. Ça passe par le fait de penser que les progrès en matière de sécurité sont aussi et peut-être d'abord maintenant des progrès manageriaux, des progrès de rapport à la règle, de rapport à la norme, de mode de fonctionnement, de culture juste, de libération de la parole, etc. Tous ces sujets-là, en 2006, ils n'étaient pas du tout dans le paysage. Et depuis, je pense que tous les acteurs dans cette salle ou à distance ont pris conscience que c'était des leviers formidables pour améliorer le niveau de sécurité de notre mode de transport. Et de votre côté, Joseph Doppelbauer, qu'est-ce que vous retenez justement de ces 17 dernières années ? Entre 2006 et 2023, on peut constater l'évolution des règlements européens. On a vu l'introduction des STI, des spécifications techniques d'interopérabilité. On a aussi vu l'installation de l'ERA en 2004, deux ans avant. C'est un moment fondateur, c'est un moment important, cette création de l'ERA. Oui, c'est certainement un moment fondateur. On manque dans les ferroviaires l'esprit global, parce que les autres modes de transport, l'aviation, la route maritime, sont plutôt globales, avec un système global, avec une langue globale. Le ferroviaire est partagé dans les différents cadres nationaux. Plus important, c'est le quatrième paquet ferroviaire, parce qu'avec le quatrième paquet ferroviaire, l'ERA, l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer, est devenue l'autorité pour donner des autorisations et des certifications. Alexandre Gallo, quel regard vous portez sur l'évolution de la sécurité depuis 17 ans et sur les éléments qu'on a pu voir dans la vidéo qui sont très divers? Oui, qui sont assez larges en fait. Moi, ce que je retiens bien sûr, d'abord, c'est l'ouverture à la concurrence. Cette ouverture à la concurrence dans le fret depuis déjà maintenant quelques années, et puis dans le voyageur qui est plutôt nouveau. Je pense que, à contrario de ce que disaient certains esprits chagrins, la sécurité ne s'est pas dégradée et la concurrence n'a pas apporté ou induit une diminution de la sécurité. Et je pense qu'au contraire, elle a permis de relever le niveau d'exigence collective. Et en fait, la multiplication des entreprises ferroviaires, à laquelle on a assisté depuis déjà quelques années, permet quand même justement de faire venir des gens d'environnements différents. Et ça, c'est important, cette variété et cette diversité.
Alors, je retiens aussi les 3e et 4e paquets ferroviaires. Moi, j'ai un œil un petit peu plus critique sur les 3e et 4e paquets, parce qu'en fait, en tant qu'entreprise ferroviaire, ils ont surtout permis aux gestionnaires d'infrastructures de transférer de la responsabilité vers les entreprises ferroviaires. Je pense notamment aux attestations de compatibilité, du matériel roulant, pour des entreprises ferroviaires qui, pour certaines, ont la taille critique nécessaire pour traiter ce genre de sujet, et pour d'autres, pour qui c'est quand même compliqué et coûteux. Et on est dans un environnement quand même qui est concurrentiel, et c'est pas tellement la concurrence entre nous, entreprises ferroviaires, qui est préoccupante, c'est la concurrence vis-à-vis de la route. Et c'est vrai que, vous l'avez très bien précisé, on est dans des environnements concurrentiels globaux, et on est encore dans des systèmes d'interopérabilité qui sont, à mon sens, encore trop complexes. On a encore trop de freins à travailler entre les pays frontaliers. Et ça peut venir limiter aujourd'hui l'expansion du ferroviaire, que ce soit dans le fret, comme ce soit dans le domaine du voyageur. Je vais prendre un exemple. Les plaques réfléchissantes, on les attend depuis de nombreuses années. Hein. Aujourd'hui, on a toujours nos petits gars à la frontière qui vont scoltiner les petites lanternes de queue à mettre derrière les wagons. Alors, ça a un coût. C'est coûteux, mais ça permettra aussi de limiter un certain nombre d'arrêts de service et de contraintes, et donc d'améliorer encore une fois cette compétitivité vis-à-vis de notre concurrent majeur, qui est la route, et que ce soit sur la courte, sur la moyenne ou sur la longue distance. Et donc ça, c'est très important. La mise en place de la TTI, parce que je pense que ça, c'est un vrai label de qualité et qui nous permet d'échanger des trains quand même en toute sécurité et avec un peu moins de contraintes. Alors, vous savez, le PSF, en tant qu'entreprise ferroviaire, on n'est pas content de les voir arriver, sur l'équipe de Jean-Philippe. On est super content de les voir partir. Il y a quand même un gros travail de pédagogie qui est fait maintenant. Moi, j'aime beaucoup les films de vulgarisation qui sont faits et qui sont mis en ligne sur les réseaux sociaux, parce que ça explique aussi, c'est un peu le ferroviaire pour les nuls finalement, et je pense que c'est très bien pour vulgariser nos pratiques. Mais il y a aujourd'hui, je pense, beaucoup plus d'ouverture, et je pense que le PSF aujourd'hui se concentre plus sur les choses importantes, les facteurs humains. Mathieu Chabanel, réaction, même vision qu'Alexandre Gallo sur le 3e paquet ferroviaire. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises ferroviaires qui étaient très demandeuses de ce changement de responsabilité parce qu'elles en ont les moyens, etc. Et donc, c'est posé la question de l'accompagnement des plus petites entreprises ferroviaires. Donc, du côté du GI français, on a fait pas mal de choses. Hein, on a fait des formations, on a fait des... Mais c'est vrai que ça... Il y a un transfert de charges et de responsabilités vers les entreprises ferroviaires, mais qui favorise aussi l'accès au réseau. Joseph de Pelbois. Oui, peut-être je peux ajouter, c'est une conséquence de l'européisation du ferroviaire, parce que on a voulu de permettre les entreprises ferroviaires d'appliquer le même processus dans chaque pays. Allez, on termine cette phase de bilan avec vous, Samuel Bonnier, et votre regard sur ces 17 dernières années. Ça fait du bien de prendre ce recul et de voir tout ce qui a changé quand même au cours de ces deux décennies, c'est vrai pour les acteurs. Enfin, voilà, on est parti d'une situation avec une EF et un GI. Aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines d'EF. On a multiplié les gestionnaires d'infrastructures. Le réseau aussi, on n'a pas parlé du réseau ou pas beaucoup. Effectivement, le réseau a quand même considérablement aussi évolué, notamment avec la mise en service de pas mal de lignes à grande vitesse. On a dû doubler le nombre de kilomètres, je pense, sur la période de lignes à grande vitesse. Et puis, aussi en termes de réglementation, ça a été dit, 3 paquets ferroviaires, c'est pas rien quand même sur 20 ans. Donc ça, je pense, c'est le premier point, le paysage. Le deuxième point, l'Europe. On parle tous un peu plus européen, première langue, j'ai envie de dire. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que je constate. Le troisième point, c'est au niveau sécurité. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que les chiffres le montrent. L'ouverture à la concurrence n'a pas dégradé le niveau de sécurité. Il faut s'en féliciter au moment où on attaque une nouvelle phase d'ouverture à la concurrence sur le voyageur domestique. Le bilan montre aussi effectivement un certain nombre d'accidents dramatiques, des choses qu'on ne voit pas forcément venir en fait, et effectivement qui, je pense,
appelle à être extrêmement vigilant, attentif de tous les instants. Est-ce que ça veut dire qu'on est plutôt optimiste par rapport à l'ouverture à la concurrence du marché voyageur domestique? Qui veut réagir? Je pense que, encore une fois, l'inquiétude était légitime. Elle a parfois servi à certaines organisations syndicales d'épouvantail en disant « attention, il va y avoir une baisse de la sécurité », ce qui n'a pas forcément été le cas. Et ça a été positif. Je pense simplement que le système, il est conçu, je dirais de manière un peu indépendante, le fait que ce soit l'entreprise X ou Y qui applique voilà, les dispositions, effectivement, d'autant plus qu'il est extrêmement réglementé, notre système. Peut-être le petit bémol qu'on peut mettre à ça, c'est le fait que quand on multiplie les acteurs, on complexifie quand même un peu le système. Voilà. Et on développe un certain nombre d'interfaces, et c'est peut-être là où, effectivement, il peut avoir des nouveaux sujets à adresser. La digitalisation, ça fait partie des éléments importants, les leviers de progrès aussi pour la sécurité? Oui, certainement la digitalisation joue un rôle important. Moi, je suis aussi convaincu qu'on a besoin d'un gestionnaire de trafic européen pour la gestion de trafic transfrontalier. Et cette gestion a besoin d'un système digital parce que sans soutien digital, ce n'est pas faisable. Alors, la digitalisation va jouer un rôle très, très important pour les années à venir. Il y a aujourd'hui des innovations qui sont intéressantes et qui peuvent émerger. Je pense notamment au couplage digital et à ce qu'on appelle le DAC, hein, Digital Automatic Coupling, et notamment les niveaux les plus évolués qui permettent de coupler, de découpler un wagon automatiquement. Ça, c'est une innovation qui, à mon sens, va à la fois dans le sens de la sécurité, parce qu'on limite les opérations au sol qui sont des opérations accidentogènes. La rigidité du digital est à une vertu, parce qu'elle augmente la rigueur des opérations. Ça, c'est un effet, j'allais dire, qui est parfois mal vécu dans la diffusion du digital dans nos entreprises, dans le sentiment que ça vient, alors que le digital devrait nous faciliter la vie, qu'au contraire, ça vient augmenter les contraintes, mais ça a un gain, ça j'en suis persuadé, en matière de sécurité, parce que ça permet de rendre les choses plus traçables et plus rigoureuses. Enfin, il faut déjà nous financer notre transformation de maintenant avant d'inventer le ferroviaire de 2050. Soit la digitalisation de l'infrastructure, la digitalisation des méthodes d'exploitation ou la digitalisation du côté du matériel roulant, ça nécessite, enfin, le secteur n'est pas capable de se l'auto-financer. Par contre, le sujet, il me semble qu'il faut aussi aborder sur tous ces aspects digitalisation, c'est le sujet des compétences. Ça demande aussi d'accompagner tout cela par de la formation. Enfin, c'est des nouveaux métiers qui se créent et donc qu'il faut préparer dès maintenant en investissant massivement dans la formation. Et on a bien compris qu'il y a à la fois les aspects technologiques, les aspects humains, il y a les questions aussi d'investissement. Et finalement, à dire ça, on est aussi un petit peu en creux, en train de définir ce que peuvent être les menaces aussi sur la sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi aujourd'hui des risques à trop se laisser embarquer dans cette digitalisation? Oui, certainement, on peut constater qu'on a une forte différence entre les pays. On a les pays riches, comme la France ou l'Allemagne, qui peuvent investir dans le système ferroviaire et qui peuvent penser à la digitalisation, aux technologies modernes. Mais on a quand même les pays pauvres. Et je l'ai vu en Grèce, mais on a aussi la Roumanie, Bulgarie, etc. Avec un état du réseau très, très pauvre. Et je crois que pour l'Europe, un des défis est de créer un réseau qui est équitable. Peut-être maintenant, avec la tragédie en Grèce, on peut changer quelque chose, mais pour moi,
cette énorme différence entre la qualité des systèmes dans les différents pays est un des meilleurs risques qu'on a en Europe. On doit attaquer ce risque. À mon sens, le réseau aujourd'hui, on n'est pas en danger sur la sécurité lorsqu'on circule. Peut-être quelques exceptions près, mais au global, je pense que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et il y a, je pense, un bon dialogue entre la direction de la sécurité de la SNCF Réseau et les directions de sécurité des entreprises. Mais ça a un prix. Ça a un prix. Et ce prix, c'est la vitesse d'exécution commerciale. Un sillon à 120 km/h entre Forbach et Bayonne, la circulation, elle est à 64 km/h. Parce qu'il y a des tronçons qui sont ralentis. La vulnérabilité des installations les plus sensibles, je pense que c'est aussi une menace sur laquelle, dans des contextes sensibles, soit internationalement, soit nationalement, doivent être sur lesquels, là aussi, il faut qu'on renforce nos efforts. On le fait côté SNCF Réseau par différents systèmes de vidéosurveillance, de clôture, etc., etc. Mais je pense que c'est un des défis des années à venir. Joseph Doppelbauer, sur ces sujets de cybersécurité, vous me disiez il y a évidemment des cas qui ont déjà été très clairement identifiés en Europe. Malheureusement, avec des impacts sur le service pour les voyageurs. Heureusement, pas encore une attaque sur des systèmes de sécurité, mais on a aussi le lien entre les attaques de vandalisme, de terrorisme et cyber. En mois de février, on a vu en Allemagne une coupure d'un câble à arrêter l'aéroport de Francfort pendant une journée, et aussi la gestion ferroviaire environ Francfort, parce que le câble a aussi connecté les systèmes de Deutsche Bahn. On est vulnérable, mais je crois qu'on peut se protéger. Le ticketing, la billetterie, les données personnelles représentent quand même des problèmes ou des facteurs de risque importants ou des sources de risque importantes et affectent sans doute plus les entreprises voyageurs. Nos process et nos trains sont tellement peu digitalisés aujourd'hui. Alors, il y a des outils de digitalisation. Les conducteurs, maintenant, ont des fiches de train sur tablette, etc. etc. Mais on met en place tellement de redondances et notamment des redondances papier. Hein. Aujourd'hui, on sait faire circuler un train avec uniquement du papier. Finalement, on n'a pas besoin d'ordinateur. Tous nos conducteurs de train, tous nos agents au sol, ils savent faire un bulletin de freinage avec du papier, ils savent faire un certain nombre de choses. Donc, on est moins dépendant finalement, et peut-être que notre niveau de maturité technologique fait que finalement, moi j'estime le risque, en tout cas en matière de cybersécurité sur la partie fret, moins importante que dans beaucoup d'autres secteurs. Le point que je voulais rajouter, c'est aussi les aspects réglementation. Il y a clairement un mouvement engagé et qui va se continuer. On a parlé des paquets ferroviaires, de la révision des STI qui devrait être publiée bientôt. Ce mouvement, il vise à quoi ? À harmoniser au niveau européen. Il vise à permettre plus d'innovation, je crois, dans les prochaines années, à aller globalement vers une réglementation moins prescriptive. Et donc ça, c'est pas sans impact quand même. Notamment, ça reporte, je pense, les responsabilités sur les entreprises. Et voilà, dans ce mouvement-là, il faut bien peser les choses, ce que l'on fait. Enfin voilà, faut travailler avec à la fois pragmatisme mais rigueur. Dans ce mouvement qui est engagé, qui va continuer. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous ce matin. Je pense qu'on peut les remercier d'avoir pris du temps pour échanger avec nous. Merci beaucoup.